Le pouvoir socialo-communiste a fait beaucoup de mal. Oh. Hein, partout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça a été une catastrophe. La gauche, hein, la gauche a fait beaucoup de mal. Beaucoup et de je mal. Dirais surtout pour la noblesse, oh hein, qui a été. Ah bah, ils ont été carrément. Les nobles, il y en a. Ils ont été carrément déconsidérés. Ah, déconsidérés, hein, ça a été. Oh, fallait plus être noble. Hein, depuis 80. Une particule, c'était. Ah, porter une particule, c'était avoir la lèpre. Ouais. Ah oui, ouais. Hein, faut voir hein, les gars. Par exemple, je dirais Monsieur Daboville hein, quand je le vois sur sa pauvre coquille de noix en train de faire le rameur. Ouais. Ah moi ça, j'en pleurais. Alors qu'il était quand même, on aurait pu quand même penser qu'il aurait été promis à une autre destinée. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la noblesse a quand même énormément apporté. Quand même, il ne faut pas oublier que la France a quand même été, quand même les nobles ont quand même énormément, si vous voulez. Quand même a été quand même un espèce de quelque chose qui a été quand même assez car essayer de faire de la France quand même d'apporter une note de prestige du prestige. Hein? Que maintenant il y a que le prestige. Philippe de Villiers, voilà. Qu'on oblige à faire le mariole. On oblige de faire d'organiser un carnaval. Un carnaval. À de Villiers. Hein. À faire le mariole. Moi j'en pleurais hein, quand je vois ça. Hein, Vous avez les Leroy Merlin qui est obligé de vendre de la quincaillerie. Quand même, faut quand même d'aller vendre du ciment et d'aller vendre pour faire des zones pavillonnaires. Ah oui, c'est étonnant. C'est un peu plus. Comme le Carrefour Pompadour. La Duchesse du Barry, le Vicomte d'Hoffmann. Perico Princesse. La gauche socialo-communiste. Ils ont fait du mal. Qu'ils ne reviennent jamais. Je leur couperai le kiki. Ne revenez jamais. Au feu, Jaurès, Mitterrand et consorts.